Est-ce que Harry Kane est la pièce manquante pour le Bayern de Munich? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Harry Kane, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Harry Kane, les gars, Harry Kane veut quitter Tottenham. Harry Kane veut aller voir ailleurs et le Bayern de Munich a proposé 100 millions d'euros environ, les gars. On parle quand même d'un mec. On parle d'un mec qui a 30 ans. Un mec qui a à un an de la fin de son contrat. Et on propose 100 millions d'euros propriété. À l'occurrence ici, à Daniel Levy refuse. Ce mec même, il sait même ce qu'il veut. Ce président sait ce qu'il veut. Tu as un joueur qui veut partir. Tu as un joueur qui a 30 ans, tu as un joueur qui a un an de la fin de son contrat, on lui propose 100 millions d'euros et tu ne prends pas. Franchement, s'il ne prend pas cette offre-là, je pense qu'il risque de regretter. Parce qu'on ne retient pas un joueur qui veut partir. Voilà pourquoi moi j'aime Manchester City et Pep Guardiola. Guardiola ne retient pas un joueur. Il te dit, si tu veux partir, tu te bats. Si tu veux partir, tu te bats. Guardiola ne retient pas un joueur qui veut partir. On l'a vu avec Cancelo. Cancelo a voulu bouder, on l'a prêté au Bayern. Le roi Sana a voulu bouder, il est parti au Bayern. Plein de joueurs, les gars. Sterling a voulu bouder, il est parti à Chelsea. Guardiola ne retient pas les joueurs. On ne retient pas. Mahrez voulait aller voir ailleurs, il est parti en Arabie Saoudite. Pourquoi les autres clubs ne peuvent pas faire ainsi? Je pense notamment à Tottenham et au PSG. Lorsqu'un joueur ne veut plus, libère ce joueur, laisse partir ce joueur. Sinon, tu es exposé au chantage. Tu es exposé au chantage. Donc, concernant donc Harry Kane, pour moi, c'est le chaînon manquant, c'est la pièce manquante pour le Bayern de Munich, les gars. C'est un mec qui est complet, il décroche, il participe au jeu, c'est un peu. Il a un peu le profil de Karim Benzema. Franchement, je trouve que si au Bayern de Munich, ça va vraiment couler parce que c'est un joueur qui est hyper collectif. Bonne mentalité, fort de la tête. Il donne des pas décisifs, très complet, je trouve. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Harry Kane est vraiment la pièce manquante? Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.